Chers amis, bonjour. Temps plutôt instable sur les régions du nord avec encore l'arrivée de précipitations, qui se montreront généralement faibles sur votre animation satellite. On va retrouver cette nouvelle perturbation issue de l'Atlantique qui devrait intéresser essentiellement les régions du nord. Confirmation pour votre jeudi matin. Un ciel couvert en perspective sur la moitié nord avec des précipitations généralement faibles, quelques apparitions du soleil sur la Corse, sur Rhône-Alpes ou encore vers les Pyrénées. Pour les températures du petit matin, regardez la valeur qui vous intéresse. Déjà 10 degrés pour Lille ainsi qu'à Paris, 8 du côté de Strasbourg, 11 sera le maximum du côté de Nice. Concernant votre après-midi, regardez, le ciel restera bien chargé en nuages sur la moitié nord avec toujours ces petites précipitations éparses et puis ces apparitions du soleil sur la Corse, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore vers le sud-ouest. Pour les températures de votre après-midi, elles sont très confortables pour la saison, 15 degrés pour la région parisienne, 14 pour Lille, 13 pour Brest, 17 degrés du côté de Montpellier, jusqu'à 18 degrés du côté de Biarritz. Pour la tendance, pas de surprise, on reste sous l'influence de l'anticyclone, par conséquent, le soleil s'imposera assez facilement sur la plupart des régions, les températures qui resteront très confortables pour la saison, des pointes jusqu'à 25 degrés pour vendredi après-midi sur les régions du sud-ouest, et puis pour la période allant de dimanche et jusqu'à mercredi prochain, certainement le retour d'un flux océanique perturbé avec les perturbations océaniques qui traverseront notre pays d'ouest en est. Et puis côté température, elles baisseront mais resteront finalement conformes au normal de saison. Vous verrez qu'on se dirige vers un temps globalement calme au cours de ces prochains jours, excepté pour la semaine prochaine où nous aurons la reprise d'un flux d'ouest perturbé. Seule consolation, les températures qui resteront toujours très correctes pour la saison. À demain.